Pendant que l'enfant utilise encore le matériel des perles pour réaliser de grandes additions, il peut, en même temps, s'amuser à additionner de petites quantités. Cela renforcera chez lui la notion d'addition, tout en lui permettant de mémoriser, par la répétition, certaines combinaisons. Camilla a 4 ans. Elle est en deuxième année de maternelle. Nous vérifions tout d'abord qu'elle sait formuler ce qu'est une addition. On est tout ensemble. Nous l'invitons ensuite à disposer sur la table des baguettes représentant les quantités. Les baguettes bleues, que l'on dispose à gauche, représentent les quantités qui seront utilisées pour le premier terme. Ces quantités ne sont pas divisées en unités, elles sont présentées sous forme d'un tout uni. Les baguettes rouges représentent les quantités qui seront utilisées pour le second terme. Contrairement aux quantités représentées en bleu, celles-ci sont divisées en unités. Invitez l'enfant à lire la suite numérique présente en haut du tableau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Présenter à l'enfant comment réaliser une addition avec ce matériel. Choisir un premier terme. 4. Puis un second. 1, 2, 3, 4, 5. Le marquage des unités sur les baguettes rouges invite à surcompter pour connaître la somme. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Invitez l'enfant à le faire. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce matériel favorise l'automatisation du surcomptage qui sera utile aux enfants pour apprendre à compter avec leurs doigts. Ils gardent en mémoire le premier terme et lui additionnent le second en s'aidant de leurs doigts. La recherche en cognition numérique invite à encourager cette pratique. Elle indique que le comptage avec les doigts est bénéfique pour préciser le sens inné des quantités. Montrez à l'enfant comment écrire l'addition qu'il vient de réaliser. 4 plus, ça veut dire qu'on les met ensemble, 5 égale combien on a dit? 9. Invitez l'enfant à réaliser à son tour une addition. L'enfant peut continuer à additionner des quantités qu'il choisit ou utiliser un livret personnel des tables d'addition à remplir. Afin d'aider l'enfant à s'organiser, nous pouvons l'inviter lorsqu'il réalise une table à retourner la quantité déjà additionnée avant de passer à la suivante. Lorsque l'enfant commence une table, nous l'invitons à la terminer. Nous l'invitons ensuite à vérifier ses résultats
grâce à une table de contrôle. Plus tard, nous pouvons encourager l'enfant à chercher toutes les combinaisons qui permettent d'obtenir 10. Pour l'aider, nous pouvons placer les barrettes bleues de la plus longue à la plus courte et l'encourager à chercher la quantité manquante pour atteindre 10, notifiée ici par une ligne rouge verticale. Chaque combinaison trouvée est notée sur un papier. L'enfant observe ici naturellement la commutativité de l'addition. Par exemple, 6 plus 4 égale 10. Et 4 plus 6 est aussi égal à 10.